gratitude is one of the strongest words in success vocabulary. Car elle fait souvent la différence entre la réussite et l'échec. L'attitude, c'est une manière de penser. C'est-à-dire, mon marché d'air, la courir d'air. David dit comme ça, ça t'a courir d'air, non. C'est goodness and mercy. Watch this, watch this, watch this. C'est pas moi qui a courir d'elle, mais c'est lui qui a marché d'elle. C'est pas moi qui a cherché, mais c'est lui qui a cherché. M'déclarer dans le nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe. M'déclarer dans le nom de Jésus. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, salut. Nous contents, il dit bon Dieu merci pour grâce qu'il fait nous pour nous capables de retrouver nous encore une fois à la table de la parole pour recevoir les instructions du Seigneur. Nous espérons jusqu'à présent un amour béni avec série de messages ça sous somme 23. Nous encourager ou partager avec 11 amis, oui, partager avec une famille et là va pour les mêmes une source de grâce et de riches bénédictions. Déjà, nous souhaitons bonne audition et soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Retournez et verset qui considère qui intéresse nous. C'est verset 6 là, quand elle dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Nous pas la dernière partie, la dernière partie, on a quitté le pour samedi. Si Dieu veut, matin, on a seulement considéré ensemble avec vous, quand elle dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Nous bénissons Seigneur éternel, notre Père et notre Dieu, de grâce au fait, nous pour nous capables de présenter encore matin. Nous avons d'autant prié, pardonnez péché nous, ouvrez l'esprit nous pour nous capables de comprendre ce que tu veux nous enseigner. Ben nous un cœur qui est disposé à recevoir et à aussi appliquer, et ainsi la vie nous aura en vie abondante. Fais cela pour nous par grâce, dans nos Jésus nous prions. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Frères et sœurs, bien-aimés, chers amis, l'incertitude est le maître mot de la saison. J'entends par incertitude ce qui est imprécis, vague et changeant. Est incertain ce qui est susceptible de doute, qui est de nature instable, tel que le temps et les humeurs. Est incertain ce qui est imprévisible et variable. L'incertitude fait problème parce qu'elle enlève le besoin humain d'être en contrôle. Les progrès scientifiques ont permis à l'homme moderne de maîtriser son habitat naturel, mais malgré ses efforts, il est des choses qui lui échappent. L'humain n'arrive pas à tout contrôler. Que ce soit dans la philosophie, la médecine, l'histoire, la météo ou la religion, l'incertitude s'installe à des degrés plus ou moins variés. Il existe toutefois des réalités stables, des inchangeables, telles que le temps, la vieillesse, la mort et certainement Dieu. Dieu est plus grand que le temps, il est infini. Plus grand que la vieillesse, il est éternel. Plus grand que la mort, il est immortel. Dieu est immuable, inchangeant et inchangeable. Ce qu'il est, il a toujours été et ce qu'il a été, il restera éternellement. Il n'est pas modifié ni modifiable car de tels changements l'agrandiraient ou l'amoindraient, qui sont des imperfections auxquelles Dieu ne se prête pas. C'est cette compréhension de l'être de Dieu qui arrache du cœur de David, dans un contexte d'incertitude béant, ses paroles d'assurance. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Nous arrivons à la fin du psaume et l'auteur résume son propos en des termes parlants. Dans la métaphore de la brebis, David exprime sa confiance en Dieu. Dans celle de l'invité, il partage ses joies. Ses expériences avec Dieu sont positives. Dieu le donne du repos. Dieu le restaure, le nourrit. Dieu lui offre un festin, oint sa tête et fait déborder sa coupe. Le langage du texte n'est pas le langage d'un timoré, d'un timide, mais le langage d'un homme avisé, d'un homme qui a fait du chemin avec Dieu et qui possède un témoignage pour le prouver. Dieu l'a fait traverser la vallée de l'ombre de la mort. Dieu l'a nourri, abreuvé et soutenu pendant le voyage. Dieu le fait arriver en sûreté dans un lieu de refuge. Il connaît Dieu par expérience et sur la base de cette expérience, il dit « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ». Les mots « bonheur » et « grâce » en hébreu sont « tov » et « hased ». Le mot « tov » signifie le bon, le bien,
le meilleur, le beau, la bonté. La beauté est la vertu en Dieu qui l'amène à qui l'amène et le porte à nous faire du bien. Elle est bienveillance, sensibilité et inclination divine à bénir sa création et à la rendre heureuse. Pour certains théologiens, la bonté est l'attribut par excellence de Dieu. Il parle de l'omnibénévolence de Dieu, c'est-à-dire bienveillance illimitée, bonté infinie. Dieu n'est pas seulement bon, mais infiniment bon. Il n'y a pas de méchanceté en Dieu. Tout en Dieu est bonté. La bonté est dans la nature même de Dieu, calquée dans le nom de Dieu. C'est cet attribut qu'il se prête. C'est cet attribut qu'il se prête quand il allait se révéler à Moïse. La Bible dit en Exode 33, verset 19, l'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Hesed, le mot Hesed est peut-être l'un des mots hébreux les plus difficiles à traduire tant il est riche et regorge de sens. Le mot est souvent traduit par bonté, miséricorde, amour. En anglais, on dit loving kindness, steadfast love, amour bienveillant, amour inébranlable, amour indéfectible. Le mot est généralement utilisé dans le contexte d'une relation entre deux parties. C'est un concept de relation, de contrat, mieux encore, d'alliance. The word stands for the wonder of God's unfailing love for the people of His choice. God's loving kindness is that sure love which will not let Israel go. If you know anything about Israel, it is that they are a stiff-necked people. But though Israel be faithless, though they be rebellious, though they be faithless, yet God remains faithful. Ay, ay, ay. Not all Israel's persistent waywardness could ever destroy it. God is steadfast. God is persistent. God refused to let them go. If you ever ask pastor, what is the faith, the what does a said mean? Sou besoin kon sa a said la di, ma seulement di is God refusal to let you go. Ay, ay, ay. It's you wanting to go and God says I will not let you go. Peut-être gen moun ki pa comprendre ça m'a dit là. Peut-être ou t'es fait tout converti, peut-être ou t'es fait tout enfant docile, mais moi-même, m'pas toujours été le serviteur que je suis aujourd'hui. M'sénèg, bon Dieu, te relé, et puis tout m'sénèg qui t'a fait rebelle, mais bon Dieu là, bon Dieu vinayem, bon Dieu Dim Johnson, I will not let you go. I know, I understand you want to do something else, but I have something better for you. I know that you have your own dream, but I have a bigger dream for you. I will not let you go. Et puis tout l'aime prend caméra la vie. Et puis tout me presse rewind. Et puis tout me presse play. Et puis tout me garde. Moi ça me dévle. Et puis tout kounia. Moi ça bon Dieu a fait. Me dit God, you faithful. Thank you for not letting me go. Quel an nous t'envi quitter. Mais bon Dieu kebe nous. Quel an nous t'envi by vague. Mais bon Dieu kebe nous. Quel an nous t'envi quitter l'église. Mais bon Dieu kebe nous. God says I will not let you go. Thank God for not letting me go. Thank God for wooing me back into ministry, for wooing me back in the church, for wooing me back in His love. What does it mean that we puisse en relation ici entre la bonté et la miséricorde ou bien la fidélité de Dieu? La bonté fait que bon Dieu agit pour ton bien. La miséricorde fait que bon Dieu préserve de malheur côté de vous comprendre. My God, let me say it again. La bonté de Dieu fait que Dieu te donne ce que tu ne mérites pas. Mais la miséricorde de Dieu fait que Dieu te préserve de ce que tu mérites. Bon, me dis ça encore. La bonté de Dieu fait que Dieu te donne ce que tu ne mérites pas.
Mais la miséricorde de Dieu fait que Dieu te préserve du malheur que tu mérites. Dieu me donne la grâce que je ne mérite pas. Dieu me donne l'onction que je ne mérite pas. Dieu me donne la faveur que je ne mérite pas. Dieu me donne la bénédiction que je ne mérite pas. Et puis tout, c'est pas ça seulement, non. Mais Dieu me préserve de la peine que je mérite. Dieu me préserve de la maladie que je mérite. Dieu me préserve de la mort que je mérite. Il n'est pas seulement bon, bon bagaille, mais il fait mauvais bagaille par arriver. Et puis tu me dis, God, why did you not just annihilate evil? Et puis tout bon Dieu dit, c'est peut-être ça. Marcher prêt avec eux. C'est peut-être ça, m'kimber eux. C'est peut-être ça, m'soutenir eux. C'est peut-être ça, des fois, m'quitter un série de bagailles passées. Pourquoi? Comment ça taillait? Simpatla, my God, my God. Et quel monde qui dit même pas qu'on jamais vive bagaille ça yo. Well, là où t'es fait accident. Et puis tout accident pas de péter fiel ou that. Ils ont said, là où t'as le côté, t'es pas doué aller, et puis t'es doué rentrer ou pas sortir, but somehow, ou entrer ou sortir, that. Ils ont said, lorsque foyer était supposé écraser, mais bon Dieu est intervenu, il fait après 5 ans, après 10 ans, après 15 ans, après 25 ans, après 30 ans, foyer a campé. C'est pas bon jeune gens, jeune gens, c'est pas bon femme ou plus bon femme, bah c'est ça, mais bon Dieu, range foyer, que foyer est écrasé, là où t'es marié, que mon qui t'es marié le même jour, mais on divorcé, et chaque fois qu'on fuck soufflé sous caillou, qu'on fuck soufflé sous famille, le ciel paraît et mon Dieu qui me voyait together, le ciel descend et mon Dieu qui me famille, si mon yo pas gaspillé, si mon yo pas la décoyo dans lesbienne, si mon pas la décoyo dans ma sissi, en mourir, c'est la miséricorde divine, c'est la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu. When it was meant for evil, God change it for good. That is a sign. La miséricorde de Dieu. You know that God is good to you when he gives you things and blessings that you do not deserve. Some of us do not deserve the blessing that we have. Some of us do not deserve the husband, the wife, the children, the job, the ministry. God gave it to us anyway. That is a said. Mais bagay ou gen en vérité si ou t'a vendu dans marché, c'est pas où ou t'a vendu. Dieu grâce ou joui. En vérité, si son côté pour t'aller pour remplir application pour yo faire background check. Si on t'a demandé certificat de bonne vie et mœurs, c'est pas où que t'as joué. But God give it to you anyway. That is a said. David dit qu'on ça le bonheur et la grâce m'accompagneront. Premier bagage qui attire mon dans texte là, c'est l'attitude de David. Stay with me now. Attitude David attire. L'attitude, frères et sœurs, c'est un mot les plus forts du vocabulaire du succès. Bon, dis-le encore. Attitude is one of the strongest words in success vocabulary. Car elle fait souvent la différence entre la réussite et l'échec. L'attitude, c'est une manière de penser, une façon de voir la vie, d'interpréter le monde. C'est une perspective, une vision, une façon de voir, de regarder et de comprendre le monde. Attitude est important parce que it colors the way you see things. And the way you see things affect the way you act and react. L'attitude est une position mentale. Un positionnement intérieur, une disposition d'esprit qui devienne le préalable aux réactions et aux conduites que nous avons, aux gestes que nous posons. Il y a tout au moins chez l'humain deux attitudes majeures. Gayon, il y aurait le pessimisme. Gon l'autre, il y aurait l'optimisme. Stay with me.
Et pour monde qui parle anglais, I'm talking about pessimism versus optimism. Le pessimiste, c'est le pessimisme est une disposition d'esprit qui porte à prendre les choses du mauvais côté, à être persuadé que les choses tourneront mal. The pessimist thinks that things will always go wrong. In fact, they live by the Murphy's Law. Everything that can go wrong will go wrong. That is the credo of the pessimist. Mais l'optimiste see things differently. L'optimisme, son disposition d'esprit qui inclinait au monde à prendre les choses du bon côté. C'est une doctrine philosophique d'après laquelle le monde est bon et le bien y tient plus de place que le mal. C'est en confiance au monde gagné que quel que soit Jean Bagayelaye, résultat a positif pour lui. Winston Churchill lui résumait les deux philosophies de la manière suivante, et je cite: un pessimiste voit les difficultés dans chaque opportunité, un optimiste voit les opportunités dans chaque difficulté. Let me say it again. Un pessimiste voit les difficultés dans chaque opportunité. Un optimiste voit les opportunités dans chaque difficulté. Ça veut dire, deux personnes qui regardent les mêmes bagages, deux personnes qui vivent les mêmes expériences, deux personnes capables d'expérimenter les mêmes réalités, l'une sorti béni, l'autre la sorti maudit. L'une sorti réussi, l'autre la sorti échoué. L'une sorti élevé, l'autre la sorti humilié. Yon sorti bien, l'autre la sorti mal. Why? It's your attitude. You live what you believe. You experience what you let in. And someone may say, Pastor, where do you pull that in the text? Hear David again. He says, David did goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Bon, dis donc, français, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. In other words, no matter how things are, it's going to be well. No matter how it looks, hey, it's going to be okay, my God. Why? L'attitude de David consistait à dire, il va m'arriver du bien. Partout où je vais, je sais que les bénédictions de Dieu me suivent. Sa grâce est toujours derrière moi. Je vais réussir. Je vais m'en sortir. Je vais tirer mon épingle du jeu. David connaît que c'est bon bagage qui a suivi lui. Comment faire chrétien? Et puis tout pouvoir parler pour dire des veines. Comment faire chrétien? Pour parler, pour dire pas de chance. Comme un fort chrétien, pour parler, pour tout ce qui m'a dans la vie. Non, je ne suis pas menti, je suis béni. Non, je ne suis pas un échec, mais je suis une réussite. Non, je ne suis pas pauvre, mais je suis riche. Non, je ne suis pas faible, mais je suis fort. Aïe, aïe, aïe. Chrétien, petit bon Dieu, ou besoin, ouais, bagaille du bon côté. C'est ça que fait. Ouais, Joseph t'a déclaré, vous avez médité de me faire du bien. Médité l'a changé en bien. Ou te mettre fait sauver pour la guémate. As a matter of fact, c'est aider à m'aider monter. Ou te mettre sauver pour craser. C'est aider à m'aider monter. C'est aider à m'aider m'avancer. C'est aider à m'aider prospérer. Parce que ma route est tracée. Mon chemin est fait. Dieu a ordonné ma grâce. Dieu a ordonné ma bénédiction. Dieu a ordonné mon succès. Dieu a ordonné mon ministère. Donnez parole là, dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc je suis puissant. Je suis fort. Quel que soit Jean-Lié, je connais son route l'éternel a fait pour faire miracle, pour faire explosion, pour amener l'éclatement, pour amener la gloire. Je suis béni. Je suis prospère.
Je suis heureux. Je me sens bien dans ma peau. Je suis my God. David pas de doute. He knows that goodness and mercy will follow him. Ça, c'est son attitude. Watch this. Tenez bien, tenez bien. Attitude. M'a dit, on va regarder là, oui. Attitude. Même si il fait bien pour moi l'évangile là. Même si il fait bien. Merci Jésus. Même si il fait bien pour moi l'évangile là. Attitude a déterminé à tant tout. Attitude a déterminé à tant tout. Bon, dit en anglais. What? Your attitude will determine your expectation. Aïe, aïe, aïe. David déclarait, le bonheur et la grâce m'accompagneront. In fact, nous tenons dit dans la version du second, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Mais le mot hébreu, ce n'est pas accompagner. Le mot hébreu, c'est poursuivre. C'est peut-être ça. L'on lit texte là, dans la version James, ou bien version King James Version, là, du surely, goodness and mercy shall follow me. Il n'a pas dit goodness and mercy shall accompany me, but goodness and mercy shall follow me. What is the difference, pastor? En fait, le mot accompagner et le mot poursuivre, pas vle dit même bagaille. Le wap accompagner au monde, li t'a semblé qu'on va marcher à côté le. Li t'a semblé qu'on va marcher avec elle. Li t'a semblé qu'on va marcher côte à côte avec elle. Mais là, on moun a poursuivre vous. C'est-à-dire moun a marché derrière. La courir derrière. David dit comme ça, ça t'a courir derrière, non. C'est goodness and mercy. Watch this, watch this, watch this. C'est pas moi qui a couru d'elle, mais c'est lui qui a marché d'elle. C'est pas moi qui a cherché, mais c'est lui qui a cherché. M'déclaré dans le nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe. M'déclaré dans le nom de Jésus. Que bagaille, c'est pas où pour chercher, mais c'est où pour chercher. Que bénédiction qui doit chercher caillou. M'déclaré, c'est pour mon Dieu fait contact chercher. C'est pour mon Dieu fait moun qui a puissance, qui a l'argent, qui a connexion. Numéro de téléphone ou qu'on job le Seigneur après le bas, c'est pas appliqué ou pas appliqué pour lui. Son monde qui a brûlé ou et puis tout me tendait un coup de fil qui fait dans le monde spirituel et puis tout m'attendait au téléphone à sonner. Me dit m'attendait au téléphone à sonner. Me dit m'attendait au téléphone à sonner. Et pendant le téléphone à sonner, m'a habitué à coûter son ça. M'a gardé pour moi téléphone qui est-ce qui a sonné. Et puis tout l'air, m'a bien gardé. Moi téléphone non, c'est dans la poche, mais la sonne. Et puis tout l'air, m'a pris téléphone non. M'entendez une voix qui dit, je suis Yahweh, j'habite l'éternité. Est-ce que m'a parlé avec Johnson César? M'a dit, c'est moi Seigneur. Et puis tout m'entendez mon Dieu dit, m'a commandé que bénédiction pour pas chercher encore. M'a commandé que grâce pour pas courir derrière encore. By Lord, je bagaille qu'à marcher dehors, manger à marcher dehors, travail à marcher dehors, caille à marcher dehors, voiture à marcher dehors, promotion à marcher dehors, élévation à marcher dehors. Que mon Dieu fait le kounia, me dit que mon Dieu fait le kounia, que mon Dieu fait le kounia, me dit que mon Dieu fait le kounia, me dit que mon Dieu fait le kounia, que mon Dieu fait des monde qui cherchait contact ou. Que mon Dieu fait des monde qui cherchait numéro de téléphone. C'est pour vous demander, tu téléphone, tu fille, qui compte faire coin des enfants. Mais qui tu fille, chaque fait coin des enfants. Sinaï chaque sabbat. Et puis tu me dis le relais Sophie. Et puis tu me dis pas qu'à mon téléphone, non. Je me dis, demandez qui est-ce qu'a prélé. Je dis c'est la maison blanche qui a prélé. Je dis la maison blanche, go job. Go job. Dans le département Children's Services.
But someone in the White House is watching what's happening at Sinai. Et puis, oh, mais Sophie, nous disons pourquoi qu'à la houle. Bon, m'a dit permission. Aïe, aïe, aïe. Nous donnons un téléphone qui sonne. Et puis, il a demandé pour Yasuko. Nous dit qui est-ce qui a demandé pour lui. Yo team, son label. Yo team, son moun cap chaché. Investi. Nos servants qui ont onction. Nos servants qui ont grâce. Nos servants qui ont puissance. Nous disons pourquoi qu'à la houle. Bon, m'a dit permission. And I'll get back to you. Nous tendez qu'on téléphone qui sonne. Il a demandé pour Walby. Et puis tout le monde a passé. Il a dit comme ça qu'on croise qui prend le fait, qui prend le réuni des centaines, des millions. Il a besoin pour Walby de chanter. Il a besoin d'utiliser l'onction. Mandé qui est-ce qu'a brûlé. Il a dit c'est Titi Jex. Mandé qui est-ce qu'a brûlé. Il a dit c'est Grégory Toussaint. Mandé qui est-ce qu'a brûlé. Yo team c'est Joel Osteen. My God, my God. M'di font titan. M'poko kaba ou l'kouliano. Bon m'relel pour m'mande permission. M'tende yon téléphone kap sonne. Et puis tout yon m'mande m'di ti moun sa. Yo team t'a remé parler avec syndrome utile. Li team de m'donde m'mande sa passe. Yo team yon konwe la prêche pour jeune. Et puis tout yon konwe qui pral fait qui a rassemblé les jeunes haïtiens américains dans le monde entier. Et puis tu as demandé, téléphone, je me pose au cabaoul, pour demander la permission. Entendez, quand téléphone qui sonne, il a demandé pour Pasteur P. Il a demandé pour Pasteur P. Je dis qui Pasteur P. Il a dit non, 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 non. There's only one Pastor B in the Seventh-day Adventist Church. The one who has an anointing on his voice. The one who enjoys singing. The one who enjoys praying. The one who enjoys preaching. Ndi Fontiton, Mboko Kabaoul, Bamba de permission, téléphone sonné, lire les pour Andy. L'urelle pour Scott, l'urelle pour Naomi, l'urelle pour Rachel, l'urelle pour Elden Restant, l'urelle pour Elden Andy, l'urelle pour Famille Séjour, l'urelle pour Jonathan, l'urelle pour Joshua, l'urelle pour Mike, l'urelle pour Rich Lord, l'urelle pour Sammy, l'urelle pour Devino, que téléphone mon Dieu sonne, vont te souvenir, dis Seigneur, fais téléphone, yo sonne, fais sonne. Que téléphone yo sonne, que téléphone yo sonne, que le ciel baille l'homme, pour qu'une bénédiction, c'est notre marché des dons, pour qu'une grâce, c'est notre marché des dons, pour qu'une faveur, c'est notre marché des dons. Oui, dis Seigneur fait, dis Seigneur fait, moi déclaré, dans le nom de Jésus, c'est pour l'éternel, même toute communauté haïtienne non net, pour me fouer même. Nous fouillons même pour la communauté haïtienne dans le nom de Jésus. C'est pour reconnaître Pasteur Johnson César. Pas seulement comme un pasteur des adventistes. Mais c'est pour reconnaître Pasteur Johnson César. Comme également pasteur des pentecôtistes. Pasteur des baptistes. Pasteur des témoins de Jéhovah. Pasteur des catholiques. C'est pour mon Dieu, mon temps. C'est pour mon Dieu, mon autorité. Sous toute dénomination. Sous tout peuple. C'est pour mon Dieu, mon influence. En Haïti. C'est pour mon influence aux États-Unis. Nous déclarons influence dans le monde entier. Nous prenons le monde dans le nom de Jésus. Le bonheur et la grâce me poursuivront. They'll have to go after me. They'll have to come after me. They'll have to follow me. Et me sorti pour me dire, dans le nom de Jésus, préparez-vous pour être un coup de fil là. Qui me téléphone dans mon bien, me déclarer dans le monde des esprits qu'un coup de fil qui doit venir pour changer la vie au nom de Jésus. Me déclarer dans le nom de Jésus qu'un coup de fil qui doit venir
qui a changé la vie à jamais. Premier bagage, nous voyons dans le texte là. Nous voyons dans le texte là l'attitude de David. C'est un homme optimiste. Nous voyons deuxième bagage dans le texte là. L'attente de David. He expects great things. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Dernier bagage, moi dans le texte là. Il s'avère m'a fini. Moi, en dans texte, pas seulement attitude David. Moi, en dans texte, pas seulement attente David. Moi, en dans texte, assurance David. Watch this. Il dit, oui, le bonheur et la grâce. Maintenant, soit courir, ou pas comprendre ça, le dit là. Parce que, en français, l'on dit, j'en plus difficile pour comprendre. Sous l'île, en anglais, la paille plus facile. Parce que l'anglais a dit surely. Mais français a dit oui. Oui, son adverbe, c'est un mot support, un mot qui marque quelque chose à ce qui est exprimé, qui modifie soit par une idée de degré, de manière, de lieu, d'époque ou de temps. Le vocable oui est souvent utilisé en réponse à une question ou injonction positive ou par pour marquer l'acceptation du propos d'un interlocuteur. Il est évident que dans le texte, le mot n'est pas précédé ni suivi d'une question. Ici, stay with me now, ici, l'auteur ne répond pas à une question, mais il exprime une conviction. À la lumière des grâces jusque-là reçues, en raison des bénédictions jusque-là accordées, il arrive à développer une mentalité d'attente, une mentalité optimiste, une confiance basée sur une récurrence certaine. Aïe, aïe, aïe. Le oui ici n'est pas le oui de l'affirmation, mais de la déduction. Il comporte ici une valeur conclusive. C'est une conclusion, une déduction. Le bonheur et la grâce sont des choses auxquelles il s'y attend. Ce bagage la tonne pour vivre. Synonyme, oui. J'aime dire en anglais, c'est surely, goodness and mercy shall follow me. Mais synonyme yo, en français, c'est certes, bien sûr, sûrement, certainement. En d'autres termes, sous table d'il, le texte a différemment, on doit dire, certes, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ne mode pasteur Vallon, souvent vous voulez dire certes, ou t'es qu'il doit dire certainement, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et souvent vous voulez dire certainement, ou t'es qu'il doit dire Fonti Chelbert, pour faire en français, pour dire sûrement, sûrement, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et souvent vous voulez dire un dernier grain de bosson, ou t'es dit bien sûr. Bien sûr, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. En sorte que, bien-aimé, ce n'est pas seulement une attitude, ce n'est pas seulement une attente, mais c'est aussi une assurance que la grâce de Dieu sera après toi, une assurance que la bénédiction de Dieu sera après toi. Une assurance que la faveur de Dieu sera après toi. Donc je m'attends à la bénédiction. Je m'attends à la faveur. Je m'attends à recevoir l'onction. Je m'attends à vivre la main de Dieu. Je m'attends à faire l'expérience de sa bonté. M'attends tout bon bagaille qui pour arriver dans la vie. Moi déclarer, c'est pour arriver côté maman pas arriver. C'est pour arriver côté papa pas arriver. C'est pour arriver côté qu'un pasteur adventiste pas arriver. C'est pour arriver côté qu'un pasteur général pas arriver. C'est pour arriver côté monde pas arriver. C'est pour y dire où c'est premier monde qui arrive là. C'est pour déclarer où c'est premier haïtien qui arrive là, où c'est premier noir qui arrive là. C'est pour dire ça dans ta vie. Et puis tout bon question posée en deux textes là. Nous presque fini. Préparons pour chanter pour moi. Il y a souci, s'il vous plaît, pour chanter pour le bon Dieu là. Mais en deux textes là, gagner ça aurait un implicit question.
What is an implicit question, Pastor? An implicit question is a question that is not clearly stated. Your question implicite, c'est une question qui l'a, mais qui n'est pas dit ou déclaré ouvertement. You really say an implicit question. Et m'tenez au monde qui a posé question, qui a dit, Pastor, what is the implicit question in the text? And my answer is this. The implicit question is the in the text is, how long will goodness and mercy follow you? Because Gemun qui were avion fait à décoller, and they think that you're going to land. I ain't going to land anytime soon, baby. It just get started. Avion fait cap décoller, soleil a fait cap lever. Quelqu'un cap mandé, mais jusqu'il est la prospérer, jusqu'il est favorable sous la ville, jusqu'il est anxiant là. This is the implicit question in the text. How long will you be blessed? How long will you have the favor of God over your life? How long will your anointing last? How long will you live in the abundance of God? Et David m'a répondu là, oui. David dit comme ça, le bonheur et la grâce me poursuivront tous les jours de ma vie. So get it right. C'est pas pour seul temps, c'est pas pour seule maison, c'est tous les jours, c'est pour la vie. Ma bénédiction est pour la vie. Ma grâce est pour la vie. Mon onction est pour la vie. La présence de Jésus est pour ma vie. Et m'tendez, le Seigneur a parlé. Il dit à un petit lit, même Jean te dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, aussi longtemps que je vis, je serai l'homme de Dieu. Aussi longtemps que souffre un homme, je serai l'homme de Dieu. Aussi longtemps que je marche avec mon Dieu, je serai l'homme de Dieu. Et puis tout le monde comme qui dit, mais le mouikounia, fiel lui pété, lui fini, pas gagné, rien, voile fermé. Je dis, baby, you really got it wrong. Why do I got it wrong? Il me dit, why do you think I got it wrong? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comprendre, c'est que nous sommes dans l'air de la technologie. Dans l'ère de la technologie, onction continue à marcher, onction continue à travailler. Même les serviteurs qui te prêchent parole là, pas là encore, mais parole là continue à faire des gars. C'est sa parole là, me dit. Les dit heureux dès à présent, ceux qui meurent dans le Seigneur, ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Long after I'm died, long after I'm dead, my ministry will still have an impact. Long after I'm gone, bon Dieu a toujours utilisé pour le bénir moun, bon Dieu a toujours utilisé pour l'encourager moun. Sou quoi menti, frère Taylor still a prêché. Sou quoi menti, évangéliste Luc still a prêché. Sou quoi menti, pasteur, feu pasteur, Nasson, Belizer, Prosper, still a prêché, Zevio a suivi. But let's forget about Fred Delon. Let's forget about Pasteur Nasson. Let's forget about those who have gone to sleep. Jesus! Jesus is still alive. I serve a risen Savior. He's in the world today. I know that he's living. Whatever men may say, I hear his voice of mercy. I see his tender tear. And though may some in back on a glare, he's always near. He lives. He lives. My Jesus lives today. How do you know? He walks with me and talks with me. He walks with me and he talks with me. I say he walks with me and he talks with me. I say he walks with me and he talks with me. He lives. He lives. My Jesus lives today. You ask me how? I know he lives. He lives.
within my heart. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Oh, l'aime comprendre ça. Attitude moins différente. Attente moins différente. Et assurance moins certaine. En autant de soeur Yasuko. Non, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et je reviens dans quelques instants pour l'appel au salut et les mots de bénédiction dans le nom de Jésus de Nazareth. En autant de soeur Yasuko, ça va parler. En autant de et recevoir la bénédiction au nom de Jésus. Nous espérons que nous sommes bénis par message ça, nous encourager pour capable et bien continuer et bien utiliser plateforme ça pour capable prendre soin d'amour et enrichir spirituellement. Nous encourager également pour capable soutenir ministère ça. Il y a plusieurs façons capable faire ou faire via Zelle ou capable utiliser Cash App et ou bien droit utiliser voie postale et même PayPal dépendamment de côté et gens qui plus facile pour nous dit bon Dieu merci pour ministère ça que le mettez pour capable encourager les gens former monde édifier et ainsi pour nous capable faire route là ensemble jusqu'à ce que le Seigneur revienne. En attendant que nous rencontrions encore, nous la guérons dans deux plans mes papa bon Dieu et nous disons bon Dieu remets-nous tout. Bye bye.